Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis avec Pingy, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, nous sommes sur la bêta. Aujourd'hui, je vais vous donner un léger aperçu de cette bêta. Alors, direct dans les commentaires, je veux avoir votre avis par rapport à cette bêta. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette bêta est en mesure de relever le niveau de la franchise Call of Duty qui, on doit bien l'avouer, depuis quelques années, est un petit peu en perte de vitesse? Je vais, dans un premier temps, vous faire une petite partie des MME, ensuite un petit match à objectif, et voilà, je pense que ça sera une vidéo assez complète, et donc on va partir pour cette petite game. Pour l'instant, qu'est-ce que tu penses du jeu? Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands changements par rapport à ce qu'on a eu aux événements. Je trouve ça plus ou moins similaire. Quelques petites choses qui ont changé, qui a en plus. Du coup, il y a une map en plus, je crois. Il y a les spécialistes qu'on n'avait pas. Enfin, on n'avait pas tous les spécialistes à l'alpha. Ouais. Du coup, là, ils ont rajouté des spécialistes. Et j'ai l'impression que la santé a été up. Alors, après, je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si le fait qu'on jouait en LAN la dernière fois et que là, on joue en réseau. Mais j'ai l'impression que c'est le bilan général. Quand t'écoutes tout le monde parler, c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. On a quand même l'impression de devoir mettre beaucoup, beaucoup de balles. Alors, je tiens tout de suite à préciser, on se plaignait de IW, de World War 2 ou encore de Ghost où il fallait mettre énormément de balles. Non, l'inverse, il fallait mettre très peu de balles. Là, maintenant, il faut mettre beaucoup de balles, faut pas se plaindre. Je pense que c'est vrai que ça aurait été cool qu'il y ait un juste milieu, mais je pense vraiment que c'est le fait qu'il y ait la réanimation manuelle qui fait qu'on doit avoir un petit peu plus de vie, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Tu veux dire. J'ai dit quoi? La réanimation. Ouais, là je pense un petit peu trop à Fortnite pour le coup. Allez, on va partir, on va tenter de faire le travail. Allez, premier kill pour V12-12. Waouh, le mec il m'attendait. Ça c'est casse-couille le nouveau truc là qu'on peut... Qu'en fonction de... Comment dire? En fonction du... En fonction du là où se trouvent tes partenaires, bah tu peux avoir une sorte de localisation. Parce que du coup, quand tu veux être un petit peu discret, un petit peu malin dans tes déplacements, bah c'est fini. C'est fini, ouais, tu te fais. C'est comme un radar portatif. C'est ça, ouais. Allez, vas-y. Ok. Allez, j'ai monté mon ICR. L'ICR, j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui savent pas quelle arme jouer, l'ICR est très efficace. Elle est précise. Oh là là, ils sont tous les deux très one, tu leur mets. Bien joué pour l'annonce. Alors, on recharge sa life. Ils savent que je suis de ce côté. Est-ce qu'ils vont venir me chercher ou pas? C'est chiant le truc de Seraph, vraiment. De quoi? Ah, le truc de spawn là, de Seraph. Ah, il y a un mec dans notre dos. Il va arriver là, je pense. Dans la logique des choses. Elle peut pas être ailleurs de toute façon. Allez, on va le chercher. Ah oui, d'accord, il est carrément allongé le mec. J'aime pas trop comment tu joues, mon ami. J'aime pas trop du tout. Là, s'il y avait un petit drone, ça serait plutôt une bonne chose. J'ai rien du tout. J'arrive pas à avoir mes trucs. Cible éliminée. Trop mauvaise. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Je te jure. Ah, là, ça peut sortir de leur spawn. C'est le cas. Non, le deuxième, il est où? Non, j'étais sur le point d'avoir mon hélico. Fais chier, putain. Bon. Allez, vas-y, viens. Allez, les deux kills qui font plaisir. En fait, avec batterie, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir une grenade qui fait vraiment beaucoup le taf. Alors, attendez, là, je vais pouvoir utiliser ça. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit, comme dirait l'autre. Bon, personne, c'est bien, c'est pas grave. Alors, on en est où? Un petit long shoot, ça s'est fait plaisir. Allez bichon. Allez mon bichon. Il y en a au sol, enfin dans l'eau je veux dire. Allez on pousse. Ah, ils sont casse-couilles les gens qui jouent avec ça. Hein. Fais gaffe, il y a des mines. Ouais, j'ai vu, à chaque fois il y en a. Ah, derrière moi ça arrive. Ah putain, je suis trop une merde sur cette game, je suis vraiment. Allez, vas-y. Je suis en train de te scope les mecs. Ah bien vu, ça c'est bien, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, ils sont perdus les pauvres. Là en face, funil, laissez-le. Bien joué. Ah, dans le back, chez nous. Par la petite fenêtre chez nous. Oh,
Ça c'était plutôt bon. Allez, 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 allez. Deux campagnes. Oh, je me suis fait voler le frag, mais c'est pas bien grave, les amis. C'est pas bien grave. Donc je fais un petit 22-4. Un petit 5-50 de ratio. C'est plutôt cool. Donc c'est pas moi qui. J'aurais cru que j'avais fait une petite action sympa. J'aurais pu croire que c'était moi qui allais avoir l'action du match, la meilleure action. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont pu. Voilà, lui c'était le mec que j'ai mis dans le mal, mais vous avez vu, j'ai quand même le droit d'avoir le plus 100. Heureusement. Parce que... Ouais. Parce que assistance vaut élimination. En fait, ce qui va vraiment être très 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 important sur ce jeu, c'est qu'il va falloir viser les têtes pour être vraiment très efficace. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas tout le temps. Il va falloir que je me force à le faire, histoire de vraiment dégager très rapidement les adversaires. Là, par exemple, le mec que j'ai laissé a peut-être même pas 5 HP. Bah, j'aurais peut-être dû viser la tête pour justement pouvoir me tuer plus facilement. Allez, on va faire de la domination. En tout cas, ça fait plaisir de vous reproposer du Call of Duty. Alors après, voilà, je vous l'ai toujours dit, je n'abandonnerai jamais Call of Duty. Je vous en proposerai peut-être moins, si forcément les jeux ne me plaisent pas. Mais voilà, je suis toujours sur la franchise après 7 ans. Et vraiment, j'espère de tout cœur que ce jeu va fonctionner, que ce jeu va vraiment attirer les fans de la franchise. Je suis sûr que c'est toute seule, hein. Et moi, je suis sur B, solo. Je suis sur B solo. J'arrive, mais je vous remercie de l'aide apportée par mon équipe. Merci beaucoup. Ah, j'étais sur mon point. Hein. Il est en train de nous prendre B, l'autre. Bien joué, Comtesse. Ah, dommage. Donc ils nous ont pris B alors. C'est pas comme si j'avais galéré pour le prendre solo, mais bon. Merci mon équipe. Allez, on va pousser chez eux. Attends, avec moi, viens, on va chez eux, on va taper C. On leur fait une triple cap. On s'en fiche. J'ai rien dans mon dos. Hein. C'est bon. Voilà. Après, comme vous avez pu le voir, pour l'instant, c'est vraiment loin d'être stable. Il est mort. Le jeu et la co. Ah, les mecs, ils restent en headglitch, ils attendent. Il leur manque la peau B, hein, pourtant, mais ils veulent pas bouger pour aller venir la chercher. Hein. Allez, remets ta tête si t'as des grosses couilles. À droite, ça arrive. Dans notre dos. Ah non, je voulais m'allonger. Franchement, pour s'allonger, c'est extrêmement long. Regardez, exemple. Regardez, là je vais m'allonger. Ah non, là j'ai fait une glissade. Là je vais m'allonger. Regardez comment c'est long. C'est très 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 long pour s'allonger. C'est vraiment un gros regret. Parce que du coup, quand vous voulez... vous mettre à l'abri, bah malheureusement, ça rend la chose très compliquée. Il y a un mec chez nous. Hein. Ok, il y a un mec sur B. Ah, quand vous avez un corps à corps avec un mec qui a la SMG et vous êtes à la R, c'est la grosse misère. Vraiment, c'est la grosse misère. Ils sont tous en headglitch, ils sont chiants. Ils courent pas du tout... J'ai niqué leur détecteur. Ah non, j'ai voulu pré-shoot, t'as dit quoi? J'ai niqué leur détecteur sur B, ils en avaient mis un. Allez. Ok. Ça c'est bon, on va aller sur le côté. Un chien à eux? Ouais, il y a un chien à eux. Je sais pas si le chien il va dans l'eau. Sûrement. Allez, on va pousser chez eux, on va pousser ici. Oh, il est relou, le mec, il est toujours le extra machin. C'est bon, je l'ai sorti. Bien joué. Ah, il va peut-être être là. Il va peut-être venir me chercher. Tiens, mange. Recon abattu. Je l'ai flingué, enfin je l'ai touché, mais... Il est mort. C'est bon, là, je pense qu'on a récupéré B. Ok, un en moins. Oh non. Ok, on va repartir sur le côté. Voilà. Ah, je voulais me remettre ma santé avant de repartir au duel. Putain. Bah, de toute façon, on s'en fiche pour l'instant. On mène assez.
Mais je veux bien, mais bon, il peut arrêter de camper, ça peut être aussi super. Attends, ils prennent pas B, c'est rien de camper ici. Ah, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Après, c'est peut-être des mecs qui veulent juste faire des kills, tu sais. C'est sûr, même. Ah, ils sont toujours à la fenêtre. Hein. Allez, deux, j'en ai dégagé deux. On va se mettre un petit peu de vie. On va passer chez eux. Voilà. Ah, je suis annoncé. On l'a eu. Drone ennemi en vue. Drone ennemi. Allez, je les ai. Allez, mais non, mec, il te faut combien de balles? Putain, ça, c'est vrai que ça casse les couilles, quoi. Ça casse les couilles. On a perdu B au cas où, mais bon, la game est bientôt finie. Une grenade à dispersion, c'est cadeau. Allez, tiens, mange. On sécurise, bravo. Je suis pas avec toi. C'est pas grave, je gère. Oh là là. Tu fais la diff toi, au niveau des positions. T'as dit quoi? Tu fais vraiment la diff au niveau des pots toi. Ah ouais, je m'en fiche de faire masse frag et tout, je veux juste jouer l'objectif à mort. Nomade éliminé. Voilà. Défendre, protéger, voilà, c'est bon. On a fait un petit 28-17 avec 11 objectifs. Je pense que c'est une game plutôt pas mal. Donc voilà, cette vidéo se termine. Donc on vous a proposé AMME, on vous a proposé une domination. Donc voilà, l'idée c'était pas de vous faire des grosses games de fou, l'idée c'était simplement d'échanger avec vous. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur la bêta de Black Ops 4, n'hésitez pas à bombarder de likes, à bombarder de commentaires ou même un stream. N'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires. Sur ce, on vous laisse, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Salut.